Bon les gars, aujourd'hui on va aller faire quelques circles dans mon jardin parce que on est en confinement et il y a le coronavirus, donc on se fait un peu chier. Donc on est avec le Between parce que mon spé il est en révision chez Loisirs VTT à Polyonnais et vu qu'on est en confinement, et bah je sais pas quand il va revenir. Et donc on va démonter, avant d'aller faire des circles, on va démonter le pédalier, le regresser parce qu'il grince un peu. Donc c'est parti. Petite astuce de galérien pour quand on ta clé elle est toute niquée sur le dessus là. Tu la mets comme ça, hop là, et après tu tournes avec la pince. Et ouais, voilà pour la petite astuce de galérien. C'est fait. Le petit boyer. Là maintenant il fait presque nuit, donc je pense qu'on ira faire des circuits demain. Donc j'ai fini, tout marche bien, j'ai plus qu'à remettre la chaîne et on est parti. Voilà. Bon les gars, on est parti pour une petite session de circle et de wheeling. Parce que là en ce moment c'est le confinement, donc on a un peu que ça à foutre. Du coup on va se faire quelques wheeling et quelques circles. Je vous conseille bien ce vélo pour les wheeling. Hein. C'est le premier vélo que j'ai eu pour faire des... quand j'ai commencé le VTT, et vraiment, je trouve que bon, pour le VTT, maintenant, comme j'en fais, c'est un peu limite, enfin, c'est une très limite, mais pour faire des wheelings, c'est vraiment bien. Il est super léger, voilà, il a une bonne suspension quand même, la RockShox 100 mm, et il a des bons freins, des Tektro quand même, ça freine quand même pas mal. Alors, pour les wheelings, moi, je trouve que c'est nickel. Il est en double plateau avec je sais plus combien de vitesse, on s'en bat les couilles. Et donc voilà, donc c'est parti pour un petit entraînement. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Bon, les circles, c'est pas fou. Hein. Je m'entraîne, mais c'est pas le truc que j'arrive à faire le mieux. Je vais vous changer de plan un peu les. Dans les... Ouais, ça commence à me tirer dans les avant-bras, donc à la prochaine.